Régler le son. Oh shit. Oh non, bon. Si vous voyez bien. Merde, putain de manette. Fuck. Ah, j'ai horreur de ces manettes. Pourtant, je prends une manette de PS4. C'est des prises en fait, qu'est-ce que... C'est parti. Regardez-moi ce son rugir. C'est parti. Oh, il fait quoi lui? Ah, mon capot. Oh non. J'ai le malaise total. Je suis littéralement à feu. Je suis en train de presque pleurer devant que c'est malaisant, putain. Ça frappe là-dedans quand même, parce que c'est une vieille vidéo. Ça fait longtemps, j'ai fait quand même 49 vues sur cette vidéo-là. On va peut-être passer à une autre pour voir ce que ça donne, parce que c'est bien, mais... Alors, qu'est-ce qu'on va choisir ensuite? Pour moi, il y a une vidéo particulièrement... que vraiment je trouve ça malaisant, mais je crois que c'est celle-là, mais tout au début. Oh putain, je vois que attention car ah ouais, la petite, les anciennes intros que j'ai fait, ça demande beaucoup beaucoup de temps à faire. Hey, salut à tous les amis, c'est Curie Noir 3268 aujourd'hui, le fameux aujourd'hui, et salut à tous les amis pour savoir comment être sur la place là où il y a les snipers qui tirent les policiers. Donc, alors c'est très simple, il va falloir commencer le braquage cash ou braquage d'or. Hein, Le plus gênant dans cette vidéo, c'est qu'on entend les vidéos de Squeezie. Alors désolé à toi Squeezie, si t'entends tes anciennes vidéos sur ma propre vidéo de Payday 2, du tuto comment être dans une place de sniper des flics dans un immeuble de dessus. Franchement, regardez ce tutoriel pour ceux qui ont toujours Payday sur PS3. Moi je le trouve quand même efficace parce que ce bug il restera parce qu'il n'y a pas de mise à jour. Par contre, ce qui est malaisant, c'est que le début c'est... Et salut à tous les amis, c'est Curie Noir 3268, comme d'habitude, toujours avoir un plaisir pour ça. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Payday 2. Franchement, ça me... j'avais toujours une voix de PD. Oui, j'ai une voix de PD, je sais, quand j'étais gosse. Bah, gosse, j'avais 16 ans, mais bon. Donc ensuite, nous allons choisir une autre vidéo. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir d'ailleurs? Vidéo map Payday 2 MC PS3. Ah ouais, je m'en souviens de ça. C'était bien. Ah là. Placement de produit en fait. Non, j'avais envie d'une intro plutôt stylée en fait. J'avais la flemme de monter, alors j'ai trouvé cette intro là, je la trouvais super. Bon, après à la fin, j'ai mis juste un peu à posquer carrément en train de 68 pour Mais ceux qui en a qui disent ce placement de produit, allez vous faire foutre, je vous dis clairement, moi. Ouais, Transformers Dark of the Moon, je crois que c'est ça. Hey, salut à tous les amis, c'est Curie Noir 3268. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Minecraft PS3. Et oui, bon, ça fait longtemps que j'ai pas refait de vidéo depuis ma rentrée. Ce malaise, ce profond malaise qui est en train d'atteindre toute la respiration de mes poumons, j'arrive même plus à respirer tellement que c'est malaisant. C'est malaisant. On va quand même regarder, enfin on regarde mais on a toujours le malaise et on regarde pas assez. Mais on peut regarder un peu. Et j'ai eu encore du mauvais temps. A chaque fois quand tu joues à Minecraft, il y a toujours du putain de mauvais temps. Alors, toujours. Vous vous en souvenez, on est samedi. En plus, c'était les anciennes versions. Hier, c'était un vendredi 13. Je crois que j'ai eu une merveilleuse journée de mes rêves. Oh non. Oh non, j'aurais pas dû faire ça. Oh, la pire erreur. La pire erreur, c'est que... Vous voyez la vidéo de Steelers quand... Il se crée, je sais plus, une planque ou un truc dans le genre. Et il fait un genre de voix rêve, puis il se met à faire un bruit genre...
voyez, assez coquette, quoi. Et j'ai fait pareil. J'ai plagié à Stewart, quoi. La pire erreur du monde. Vous voyez le profond malaise quand on connaît des youtubeurs il y a pas mal d'années et qu'on les suit depuis toujours et qu'on se rend compte qu'on fait la même chose que. C'est assez malaisant. Bon, on va s'en repartir une autre vidéo parce que avant que je m'énerve, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir, essayer une vidéo qui était assez récente, pas trop, mais assez quoi. En fait, on va dire qui a pas duré vraiment. Disons gameplay sur Winston Z, le retour du gamer sur Last Day on Earth. Franchement, j'ai pas d'idée. Gameplay DBZ Fighter Z Black Goku. Ça, c'était des musiques en fait que j'ai remixé, que j'ai remixé en Nightcore. Et je trouve que j'avais pas mal de trucs que je trouvais génial. Alors, cette vidéo là est basée comme un peu sur Ghost de. Waouh! J'enquête dans les lieux et censé être. Oh, la qualité du micro est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais en fait, cette série est basée sur les effets paranormaux dans Minecraft. Et j'ai plutôt adoré. J'ai adoré mon skit parce que c'était le merde. Le logo du t-shirt, c'était en fait une boucle d'oreille de Dragon Ball. J'aurais dû mettre les yeux de voilà des Robin. Et ça, c'était le logo. De Ghost Adventure Craft. Et en fait, vous allez me dire, ouais, tu plagies avec Gus Dix. Moi, c'est les fait amis, par montage et par ma voix. Bienvenue ici, dans l'Angleterre, à Wingsburg, près d'Écosse. Je pense que ça n'existe pas, Wingsburg, à l'Angleterre. Et oui, car vous le voyez, ici, dans ce monde, on dit que plein de choses n'existeraient. Oh putain, c'est la pire erreur de ma vie. Wisburg, je vous jure, ça n'existe même pas en Angleterre. J'ai voulu juste imaginer, mais... Et en fait, les effets de montage, genre la boxe, les voix des fantômes, c'est ma voix qui est... C'est moi qui ai fait, mais c'est juste que j'ai plusieurs sons à faire avec ma voix. Je me suis entraîné, j'ai fait du choral, en fait, chant en choral, en mouvement. Et je m'y entraîne beaucoup, je me suis entraîné beaucoup sur ma voix, et depuis, j'arrive à faire une voix de femme. Une voix d'un vieil homme, enfin... et pour trouver le montage de la box XB7, je crois, XB7, un truc dans le genre, on va avancer un petit peu. On va avancer un petit peu pour qu'il montre le matériel. Oui. Plus qu'à la récupérer. Merde, je crois que j'ai passé trop vite. Je vais vous montrer le matériel que je dispose. Donc, oh, le son du jeu est juste dégueulasse. La Spirit Box XB... SB7 en truc box pour les CD, mais je m'en sers aussi les bruits blancs, donc je n'ai pas besoin de le poser pour l'activer, ou peut-être à vous de voir, mais est-ce que ça se récupère, je sais pas. Spirit Box SB7, ah c'est difficile à dire ce truc là. Regarde, je vais quand même vous montrer. Bon, les bruits des fantômes vous découvrirez par vous-même, mais là. Nickel. Est-ce que ça s'écoutait à Speedbox? Ouais. C'est bon. Il va normalement il va le poser puis le bruit blanc. Déjà 10 minutes. Putain. Et voilà, je l'ai désactivé, du coup il me reste plus qu'à la récupérer. Donc les amis, je pense qu'on a assez vu de vidéos récentes, assez récentes je trouve. Bon ouais, j'espère qu'au moins ça vous a petit plu. Bon, il y aura des moments malaisants, c'est sûr. Ceux qui vont regarder vont dire putain Mathis, qu'est-ce t'as foutu. Alors nous allons maintenant regarder des essayer de ne pas rire. J'espère que au moins ça va nous plaire. Alors on va aller sur la barre de recherche et écrire essayer de ne pas rire. Ouais, je pense que attends. Tac. Essayer de ne pas rire. Magnifique. Alors essayer de ne pas rire, on va essayer d'en trouver. Blague de bouffe, non, c'est pas ce qu'une. Essayer de ne pas rire 184, essayer de ne pas rire avec vous. En fait, faut pas que ce soit des youtubeurs qui se fassent filmer, vous voyez. Faut que nous on regarde et qu'on essaye de pas être mort de rire, c'est ça le truc. Et je pense que cela peut nous plaire. Et espérons que c'est pas un youtubeur qui le fasse. Regardez la vidéo avec de l'eau, de ne pas rigoler, non, moi. Écrire dans les commentaires. Non, moi je le fais pas ça. Bon allez. Oh.
Ah non, ça c'est pas des trucs qu'il faut rire, ça ça fait mal. Oh, tu pleures. Oh. Oh, truc de voiture, j'adore ça. L'impact. Oh. Ouh, ça fait trop mal. Ça, ça fait mal. I'm not gonna risk it. God, that's why I didn't do it. Ça fait mal, trop mal. Oh! That's a duff. Oh! La vache! Il la ressent plein gueule. Les bandes de cons. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va. Bon. Ça fait pas trop rire, mais bon, ça passe. Oh là là, mais c'est la merde assurée en fait. T'appelles ça un truc qui fait rire? Dans les couilles, mais non, jamais. Oh, ça fait mal, ouais, sur la pierre. Pouf bête. C'est carrément gragué le cou. Oh non, non, non. It's okay. Ah oui, il a rien, c'est bon. Eh, ça fait mal. Oh my god, oh my god. Ah la pauvre. Oh non. Oh le dos, ça fait mal ça. Oh mais non. Eh, c'est pas un truc qui fait rire. Non, 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 je suis désolé. On va essayer de trouver autre chose. Je vais essayer de couper ça au montage. Heureux donc en espérant que le youtubeur bah, ne se montre pas ou il dise pas quelque chose pour qu'on puisse faire essayer de parler parce que là ça fait déjà 15 minutes alors on va essayer lol. Par la main fâchée. On entend quelqu'un parler genre, par derrière. Je trouve ça pas très réglo en fait. Non non. On va recouper ça au montage puis on va essayer de trouver autre chose. Heureux donc j'ai trouvé un YouTube poop qui est vraiment intéressant. C'est que je connais les YouTube poop, c'est assez rigolo. Donc on va essayer de s'en faire un, espérant que ça nous fait rire. Bon, ça nous fait rire, qu'on se retient. Parce que depuis tout à l'heure on cherche alors. Alors plus ce YouTubeur là, elle est géniale comme pooper. J'ai mis le son à fond, oui, c'est vrai. Tout de suite. Attention. Bouge. Bouge. Il est endormi. Il est pas marrant. Je suis désolée. Il ne sait pas ce que c'est que d'être là.
Dans cette cage, jour après jour, à regarder des visages hideux collés contre la vitre. Est-ce que tu parles sous... Pourtant, je l'ai déjà vu. Tout est bon dans le cochon. Je t'en prie. Pourtant, je l'ai déjà vu et il fait quand même rire celui-là. Il y a des scènes, waouh. Ah ouais, t'as cherché le papa là. Ah. Ah ouais, celui-là, il est mortel. Oh putain. Il y a un truc qu'il faut pas... Enfin, qu'il faut pas mettre sur YouTube, je pense pas. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il dit je suis Harry. Non, je suis Hagrid. Tu es un sorcier, Dursley. Attendez, j'arrive une petite seconde. On est de retour. On va pouvoir continuer. Désolé, parce que je suis parti manger. J'avais faim. Hop, j'en mets bien le micro. Bien joué. Ah, les bandes d'enfoirés! Pédo, bah, pédo! Have to bash ya, have to not brook! Y'a plus de place nulle part. Non. La tristitude. Au fait, je m'appelle Ron. Ron Weasley. Oh, les bâtards. Harry Potter. Du tout craché Cyril et Amixem. Bienvenue à Poudlard. Dans quelques instants, vous franchirez ces portes. Putain, j'ai l'impression que mon film au micro qui est, voilà. Bâtard, oh la gueule. Tout le monde vient se placer à gauche de son balai. Allez, dépêchez-vous. Tendez la main droite au-dessus du balai et dites debout. Pute. Debout. Pute direct. Est formellement interdit à tous les élèves de pénétrer notre concierge, Monsieur Ruzard. Oh. À moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces. Oh non, hey, y a trop de pédos. À moins que vous ne teniez absolument à pénétrer les professeurs. J'essaie de mentir, mais... Merci pour cette année 2016. Bon, bah... On va encore... Merde ! Bâtard ! Bon. On va encore continuer avec le numéro 2. Parce que le 2, il est bien aussi. Lazival, present. Ah, Lazival, j'aime bien son... Harry Pooper à l'école de Cassos. L'école de Cassos, partie 2. Si. Jeunes gens, s'il vous plaît, pénétrez les préfets dans leurs dortoirs respectifs. Oh le bâtard. Et il y a encore du pédophile. Je crains le pire. Je crains le pire du mot de passe. Je crains le pire du mot de passe. Pénis. Oh. Notre front de Poitard. Qu'est-ce que j'obtiens? Pénis. Le mot pénis, putain. Tu dirais bite, c'est pareil. Du bullshit de sa mère. Ah, ça c'est pour toi, Jesse, si tu regardes cette vidéo. Bullshit de sa mère. Dans ton cul. Oh. Dans ton cul, direct. On tourne et on abaisse. Allez-y. On tourne. Oh, putain. Oh la vache! Ils font finir par avoir des problèmes. Ah, Wingardium Leviosa. C'est un vrai cauchemar cette fille là. On comprend qu'elle n'ait aucun ami. Elle a dû t'entendre. Pas d'amis. Pas d'amis. Si. Non, si. Je crois. Ou je sais plus. Un peu les yeux. Oh, les bâtards!
Vas-y, ouvre ta gueule. Quoi? Oh. Wingardium Leviosa. Quoi qu'il en soit, c'était complètement idiot de faire une chose pareille. Je me serais Elle a les yeux. Oh non. Revolver. Elle a le regard. Les bandes de pédophiles, merde! Oh la vache. A few moments later. Le pot. Il va gerber. Oh non, ça j'aime pas trop après. Il a pas l'air d'aller bien. Et voilà. Caca en E5. Franchement, une merde. Je suis Ron Weasley. Ah, mais ta gueule avec ton Ron Weasley, on a compris. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une cape. Vas-y, essaie-la pour voir. Wow! Mon corps a disparu. Je sais ce que c'est. C'est une cape d'invisibilité. Hey, c'est un truc de ouf, Ron! Les bâtards. Hey, c'est un truc de ouf! Oh putain, n'importe quoi. Bonsoir. Je ne voudrais pas être impoli, mais je ne suis pas en état de vous recevoir aujourd'hui. On est au courant pour la pierre philosophale. Ah. On est au courant pour la Ta gueule, direct. Et le pire, c'est que Malfoy l'a vu. Je ne comprends pas. C'est embêtant? Très embêtant. Oui, parce qu'il est juste devant Bonsoir. Vous. Oh la vache, le bouquin, sa mère. Vous serez donc comme vos camarades, les... Oh yeah. Comme vos camarades, vous serez nus. Les anciennes munitions est disparu. T'entends? C'est dans l'un des cachots. On se sait. Ah, ça me manque de ne plus entendre les cris. Peggy 18. Merci d'avoir regardé. Ah, cette remix là, elle est plutôt pas mal. Même il a fait des remix Star Wars. C'est plutôt joli. Alors là, je crois que celui-là, c'est... la chambre des secrets. Là. Il a l'air bien. Pardon. Qu'est-ce que ça va être? Harry Pooper et la chambre des Cassos. Comme d'hab, ça se termine par Cassos. Hein. Cassos, quoi. Je crois que ça fait longtemps que je l'ai pas revu celui-là. Je suis pas au courant, mais je m'en souviens pas très bien de celui-là. Alors si jamais je vais finir par rire, terminé. 7 minutes 25. Ok. Je regarde bien parce que mon téléphone d'habitude il ça tient pas, mais là ça va, ça passe. Je suis Ron Weasley. Ça c'est prédiction ça. Quand le soleil a brûlé la terre à cause d'une grosse tempête de mémoire. Je suis Ron Weasley. Voilà. Je le savais qu'il allait pas fermer sa gueule dessus. Eh hey, le mec il se lève, il fait ça, un truc dans le genre, un truc ça, mais... Eh ouais mon gros, désolé.
Je suis Ron Weasley. Tic-t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 ic-